Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose un troisième tuto make-up pour les fêtes. Là vous allez voir, il est ultra poussé. En fait j'ai l'impression que c'est un make-up qui se bat entre hyper dark, parce qu'on va utiliser du noir aujourd'hui, mais en même temps vraiment trop dans le thème, parce qu'on va utiliser plein de paillettes. Mais vraiment, je pense que j'en ai jamais mis autant sur un make-up. Je suis mitigée entre excitation et grande peur, parce que je sais pas du tout si ça va bien rendre. Dans ma tête, je pense vraiment que ça va être joli. Sur les paupières, j'ai un peu plus peur, donc on va commencer sans tarder pour voir si le résultat est bien ou non. Là ça se voit, hein, ma peau elle est vraiment pas au top de sa forme en ce moment. Du coup au niveau de la base, je vais venir surtout lisser les pores avec la Pore Perfecting Primer de Makeup Revolution. Vous avez l'habitude de me voir l'utiliser, hein, c'est une petite pâte comme ça qu'il faut vraiment appliquer localement. Donc moi surtout au niveau des ailes de mon nez, de mon front et un petit peu au niveau de mon menton, j'ai pas mal de petits pores aussi. Si ça peut me lisser un peu les boutons, c'est encore mieux. Même si j'ai peu d'espoir. À mon avis, ils vont vraiment nous accompagner tout au long de la vidéo. C'est hyper important de bien étirer ce genre de matière pour pas risquer en fait d'avoir l'effet totalement inverse. Je sais que ça m'est déjà arrivé d'en mettre trop au début. Et une fois qu'on applique le fond de teint, qu'on poudre, etc., ça va vraiment donner un effet de pore apparent, parce que la matière va pas du tout accrocher, donc ça empire encore plus votre peau de base, donc en couche très fine, très important. Pour le fond de teint, je vais utiliser le Matte Finish Foundation de Max & More, donc qui vient de chez Action, parce que c'est un fond de teint qui a plutôt une bonne couvrance. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, j'ai eu envie, écoutez. Et je vais l'appliquer au pinceau, vous savez, le type de pinceau plat et ultra dense que j'utilise quasiment tout le temps. Je trouve que c'est vraiment le meilleur ustensile, on va dire, pour avoir vraiment de l'opacité maximale sur le teint. C'est le genre de pinceau qui s'utilise vraiment comme une éponge en fait, en tapotant de partout. Faut pas du tout faire des mouvements de lissage comme ça. Ça va juste vous déplacer toute la matière, alors que si vous tapotez, je sais pas si vous voyez bien, mais ça apporte le max de couvrance possible. Sur le front, j'ai pas trop d'imperfections et c'est la zone où j'ai tendance à le plus briller. Donc j'essaye vraiment d'en mettre une couche la plus fine possible pour pas accentuer les brillances de mon teint, tout simplement. Pour venir camoufler un petit peu plus mes imperfections, je vais prendre le Lenticerne de XX Revolution, parce que c'est à peu près ma teinte actuelle. Je veux pas forcément quelque chose de plus clair que mon teint, là, sinon ça va juste encore plus mettre en avant mes petits boutons. Et c'est pas forcément ce dont j'ai envie aujourd'hui, hein. Au contraire même. Et pour estomper ma matière, je prends vraiment un pinceau tout petit en tapotant sur le bouton, ce qui va me permettre d'avoir le max de couvrance. Bon, par contre j'ai posé assez grossièrement mon anti-cerne là. Je vais un petit peu estomper les bords avec mon pinceau fond de teint pour pas que ça fasse une grosse tache. Mais là tout de suite forcément il y a encore les reliefs hein, des boutons, on peut pas y faire grand chose malheureusement. Mais au niveau de la teinte, au moins c'est moins rouge. Pour mes cernes et mes points de lumière, je vais utiliser le anti-cerne Conceal and Define de Makeup Revolution. Et autant vous dire que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, donc je vais en mettre un. Comme d'hab, j'accentue bien aussi au niveau de mes ailes du nez, qui sont toujours bien rouges. Et je l'estompe avec le même style de pinceau que j'utilise pour mon fond de teint. Comme d'hab aussi, c'est vraiment ma manière préférée parce que ça apporte le plus de couvrance possible. En plus, c'est assez précis par rapport à une éponge pour aller vraiment dans le creux ici, qui est souvent vraiment la partie la plus violacée du cerne. Ça me permet vraiment de bien remplir. Par contre, avec mon pinceau fond de teint, je vais repasser un petit peu, histoire d'atténuer la couleur trop claire et que ça se fonde mieux l'un dans l'autre. Surtout que cet anti-cerne, il a un petit peu un sous-ton rosé, alors que moi il me faut beaucoup plus un sous-ton jaune, donc il faut vraiment que j'arrive à contrebalancer ça. Et au niveau des textures grasses, je vais juste appliquer un peu de blush. C'est la teinte latte des Stick Blush de Anastasia Beverly Hills. Et la teinte, je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve trop belle. En fait, comme ça, elle fait un peu peur. On dirait presque du contouring, mais en fait, elle a vraiment un sous-ton rosé. Et en même temps, elle est totalement nude. Je vais essayer de l'appliquer directement comme ça, en tapotant. C'est la première fois que je le fais, hein. Parce que j'ai pas envie de déplacer ma matière en dessous. Et je vais l'estomper avec une éponge, toute tachée comme d'hab. J'ai l'impression que ça m'a enlevé de la matière. J'aime vraiment pas l'application directe. Donc, je vais plutôt venir prélever de la matière sur un pinceau assez large. Et ensuite, la poser sur mon teint. En plus, on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup plus hygiénique. Et vous voyez, la couleur, elle est vraiment trop intéressante. Je vais bien forcer étant donné que après je vais mettre de la poudre. Je vais sûrement faire un petit peu de baking pour protéger mon teint des chutes de paillettes et de fards noirs. Parce que là c'est vraiment un make-up risqué pour votre teint. Vous pouvez d'ailleurs décider de le faire après les yeux, votre teint. Moi je le fais jamais comme ça parce que je supporte pas ça. Je comprends pas comment vous arrivez, si jamais vous le faites, hein, à faire votre teint en dernier. Moi ça me perturbe trop en fait, ça, je trouve que ça annule vraiment
Par exemple, si vous faites votre rat de cils, comment vous faites après pour mettre votre anti-cerne? Ça va gâcher tout votre dégradé au niveau du rat de cils, même au niveau de la fin de votre œil. Enfin, je sais pas, si vous y arrivez, vous êtes vraiment plus doué que moi, hein, parce que moi, j'y arrive pas. Je pense que je l'ai bien poussé, là, vous allez voir, après, ça va vachement s'estomper. Au niveau de la poudre, je vais utiliser celle de Sozu Cosmetics, la Face Focus, que j'aime beaucoup. Hein. Et comme d'hab, d'abord, je relisse mon teint, et ensuite, je vais le fixer à la houppette. Donc, très très important aujourd'hui de bien bien fixer son teint, du coup, si vous le faites avant votre make-up des yeux. Parce qu'à mon avis, même si on va faire attention, les chutes de paillettes vont être inévitables aujourd'hui. Et si votre teint est mal fixé, bah c'est simple, vous allez avoir des paillettes de partout. Impossible à enlever, ça va être une horreur. Donc là, je repasse vraiment de partout avec ma poudre. Je vais quand même enlever l'excédent de poudre pour le moment, j'ai pas envie non plus que ça m'assèche trop le teint. Donc pour ça, j'utilise un gros pinceau sans matière. Franchement, on voit encore un petit peu le blush. Peut-être que j'en rajouterai après un peu avec un blush poudre, je verrai. Par contre, là, j'avais pris un bronzer, mais à mon avis, il va être trop chaud. Je vais plutôt prendre un contouring. Je vais utiliser la palette de contour et highlight de NYX. Elle a du vécu, hein, ça fait au moins 5 ans que je l'ai. Et avec un petit pinceau biseauté, je vais prendre cette teinte qui est bien froide, je pense. Vous voyez, le pinceau, il est vraiment incurvé, ce qui fait que ça va épouser le creux des joues. Et comme on va faire un make-up bien poussé, je vais pas hésiter à bien en mettre. Hein. En plus, notre teint, il est assez clair quand même, là. Donc, lui redonner un peu de couleur, ça lui fera pas de mal. Un petit peu comme d'habitude, au final. Hein. Faut vraiment que j'arrête de me voir plus clair que ce que je suis avec mes fonds de teint. C'est une horreur. Je prends toujours, toujours des couleurs trop claires. Parce que j'avoue que je fais pas trop les magasins physiques, donc j'achète quasiment toujours sur Internet. Mais bien évidemment, c'est comme ça qu'on fait des erreurs. Hein. Hop, j'en ai bien mis un petit peu de partout. J'ai fait... J'ai utilisé une couleur assez froide, mais j'ai un peu plus fait comme avec du bronzer. Hein. J'ai pas fait très attention à mes placements pour faire quelque chose d'ultra net comme du contouring non plus. Hein. Et l'highlighter, on s'en occupera plus tard parce que, étant donné que je vais faire du baking, ça va me rematifier le dessous des yeux. Et ça va m'enlever sûrement tout mon highlighter, donc ça sert à rien que je le mette d'avance. Par contre, je vais venir plaquer mes sourcils au savon. Comme d'habitude, j'utilise mon savon Pierce qui ne ressemble plus à grand chose. Hein. Il commence vraiment à se creuser, donc j'ai spitché un peu d'eau dessus et là, avec ma brosse à dents, je vais travailler ma matière. Une fois qu'elle est bien imbibée, je vais travailler d'abord mes poils à rebrousse poils du coup, ensuite vers le bas et ensuite en remontant. Comme ça, au moins, tous mes poils sont bien pris par du savon dans tous les sens et je suis sûre qu'il n'y en a aucun qui va rebiquer. Et en ce moment, je les plaque quand même pas trop vers le haut non plus. Hein. Avec le dos de ma brosse à dents, je peux venir un petit peu appuyer comme ça. Ça va encore plus me les plaquer. Si vous avez vu ma vidéo produit terminé, vous savez que j'ai terminé mon Lift and Snatch en teinte espresso. Mais pas de panique, je me suis empressée de le racheter. Je vais d'abord utiliser ma petite teinte taupe, donc la teinte la plus claire, pour venir remplir un petit peu ici au niveau de la tête de mon sourcil. Et je vais appliquer cette couleur à peu près jusqu'à au moment où il y a le décroché et mes sourcils commencent à descendre. Et ensuite avec la teinte espresso, je viens remplir la fin de mon sourcil. En fait là, il faut vraiment appuyer le moins possible pour faire des poils les plus fins possibles et que ça se fonde vraiment le mieux dans le sourcil. Et comme d'habitude, avec un petit peu d'anti-cerne et mon petit pinceau plat de chez Pélouise qui se fait vieux mais qui va toujours bien, je vais redéfinir le dessous histoire d'avoir quelque chose de bien net. J'ai très légèrement poudré ma paupière pour être sûre juste que ça file pas dans les plis. Et là, on va passer aux yeux. Étant donné qu'on va partir sur des teintes grises, noires, etc., j'ai pris ma petite palette Carnival de Be Perfect en collaboration avec Stacy Marie MUA. Étant donné que, vous allez le voir, elle a une bonne partie de fard gris avec vraiment plein d'intensités différentes. Ça va être super intéressant pour notre make-up. Pour commencer, du coup, je vais prendre la teinte First Man juste ici avec un pinceau vraiment précis comme ça à liner. Et là, en regardant droit devant moi, je vais commencer à tracer les fondations de mon cut crease. Donc en fait, il suffit de suivre votre pli paupière juste au-dessus pour être sûr que œil ouvert, ça se voit. Et ensuite, au niveau de la fin, on va remonter un petit peu vers le sourcil histoire d'ouvrir notre forme. Et là, vous avez une bonne base. Quand vous êtes sûr de vous, vous pouvez vous permettre d'élargir un petit peu la forme. Très légèrement, en fait, vers le haut, c'est ce qui va commencer à nous créer un dégradé, en fait. Mais vraiment tout en douceur.
Je vais prendre un pinceau un petit peu plus large qui va m'aider à mieux dégrader. Très important dans ce genre de make-up de prendre des pinceaux adaptés à la taille de l'endroit qu'on travaille en fait. Et comme là on est vraiment juste en dessous du sourcil, il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Donc on prend des tout petits pinceaux. Dernier pinceau, vous voyez quelque chose de ultra souple comme ça, toujours assez petit. De nouveau pour fignoler ce dégradé. Je vais carrément venir prendre un petit peu de la teinte Space Race juste ici, qui est un gris très clair que je vais appliquer sur les contours. Là je peux me permettre de remettre un petit peu de First Man, parce qu'on a un petit peu perdu l'intensité quand même. Je vais surtout le mettre à mon coin externe. Pareil, tout en douceur pour créer un dégradé, hein. Et là, en fait, avec le peu de matière qui me reste sur mon pinceau, je vais ramener cette teinte à mon coin interne. Mais ce qui fait que l'intensité va être un peu plus modérée. Donc on va aussi avoir un dégradé en fait du coin interne jusqu'au coin externe, où celui-là sera du coup beaucoup plus intense que à l'intérieur. Et j'ai failli faire une énorme erreur, mais du coup j'ai pas reprotégé mon dessous des yeux. Je vais venir appliquer pas mal de poudre vraiment en dessous pour limiter le risque de chute et être sûr que ça accroche pas si jamais il y en a qui tombent dessus. Heureusement que j'y ai pensé un peu trop tard, mais j'y ai quand même pensé avant de mettre toutes les paillettes. Hein. Ou même de commencer à taper dans le noir, donc c'est déjà ça. Allez, là je suis quand même mieux protégée. Je vais prendre la teinte Dark Side, qui est le noir de ma palette, avec un pinceau biseauté ultra fin. Et comme tout à l'heure, je vais l'appliquer vraiment à la base de ma forme. Tout d'abord au coin externe pour avoir le maximum d'intensité à ce niveau-là. Et sans reprendre de matière, petit à petit je me rapproche du coin interne. Ce qui fait que l'intensité est beaucoup plus présente à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et toujours pareil, je jongle avec pas mal de petits pinceaux pour créer mon dégradé, jusqu'à ce que je sois satisfaite de celui-ci. J'en ai profité pour bien redéfinir le dessous de mon cut crease, c'était facile étant donné qu'on a essayé de faire quelque chose de propre. Donc il y a juste à suivre nos contours avec un petit pinceau plat et de l'anti-cerne. Ensuite j'ai mis un petit peu de poudre pour plaquer tout ça. Et là, avec ma petite base à paillettes de chez NYX, et un pinceau plat pour être sûr de ne pas en appliquer là où il faut pas, je vais venir en mettre, vous allez voir, de partout sur ma forme. Et pareil, je fais bien en sorte d'en mettre sur la ligne qui sépare en fait, pour être sûr qu'il y ait un aplat de paillettes bien homogène. Et là, est-ce que vous êtes prêts pour voir la beauté des paillettes? Ce sont les Glitter 06 de NYX et vous voyez, elles sont arc-en-ciel argenté avec vraiment des reflets de toutes les couleurs. Peut-être que là, vous verrez encore mieux. Elles sont magnifiques, clairement. J'ai pas d'autre mot. Je vais de nouveau prendre un petit pinceau plat, donc parce qu'on veut vraiment quelque chose d'opaque. Et là, je vais vraiment en mettre de partout. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Dans ma tête, c'est censé rendre bien. J'ai vraiment peur du résultat final, hein, je vous mens pas. Et là, heureusement qu'on a fait du baking, parce qu'il y en a qui tombent de partout. Mon plan de travail va être rempli de paillettes aussi, je le sens. Et le démaquillage, ça va être une angoisse, mon dieu. Je fais en sorte qu'ici, ça se finisse pas non plus trop net. Et là, on a un œil de terminé. Il y a quelques petites paillettes qui ont essayé d'aller sur mon gris. Donc je les vire doucement. Pour le moment, c'est très bizarre, mais en même temps, je me rends pas bien compte, étant donné qu'on n'a pas le liner, on n'a pas le rat seal, etc. C'est le moment de la révélation. Est-ce que notre baking a bien fonctionné? J'ai l'impression que... oui. Il n'y a pas trop de paillettes pour accrocher, du coup on est pas mal, hein. Il nous manque plus qu'un trait d'eyeliner, je vais utiliser celui de Anastasia Beverly Hills en pot comme ça. Et là je vais bien me faire descendre un petit peu au coin externe. Avant de le faire partir vers la fin de mon cut crease. Ce qui fait que je vais esquiver au maximum le pli paupière et donc réussir à avoir un liner le plus net possible. Et de toute façon, ce sera rejoint avec le rat seal après, donc ça se verra plus qu'il y a un petit décroché comme ça. Pour le rat seal, je vais faire une petite base au crayon noir. Donc je le mets d'abord dans ma muqueuse. Et ensuite, je vais remplir ici au niveau du décroché donc de mon eyeliner. Pour que ça fasse une ligne bien droite. Je fais une petite bêtise là par contre, c'est pas beau. Voilà. Et par-dessus, je vais pas mettre le noir noir. Je vais d'abord mettre la teinte First Man. Donc c'était mon gris assez foncé. J'ai plus de protection anti-chute hein, là, donc faut que je fasse attention. Ça termine beaucoup mieux le make-up comme ça, franchement, je sais pas ce que vous en dites. Pareil, j'en mets un petit peu en haut. Par contre là, on a un sacré trou au niveau du coin interne, donc il faut combler tout ça. Et je pense que je vais prendre
dans ma palette Dark Fantasy de Beauty Bay, la teinte Code juste ici. Elle est un peu argentée, qui tire un peu vers le bleu. Je pense que ça va être pas mal. Voyons voir ça. Franchement, ça rend pas mal. Je crois que j'aime bien. Qu'est-ce que vous en dites? Là, je vais mettre mascara fossile. Après, on n'aura plus qu'à terminer la bouche. Au niveau des fossiles, j'ai mis ceux-là. La référence, c'est 3DX15 qui viennent de AliExpress aussi. Bah, en fait, ils sont pas assez longs. Je trouve, on les voit limite pas tellement le make-up est imposant. Mais en même temps, je crois que peu importe les fossiles que je mets, ils se verront pas avec ce genre de make-up. Au moins, de profil, quand je tourne la tête, ça se voit. Pour la bouche, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus soft. À commencer par ce crayon de chez Wet n Wild en teinte Fab Fuchsia. Vous allez voir, il est pas soft du tout, mais je vais le dégrader de manière à ce que ça se voit pas trop. Donc je vais venir faire le contour de mes lèvres. Alors je remplis bien les commissures. Et là, je vais bien dégrader mon crayon. Comme ça, il va bien se fondre dans mes lèvres et en même temps, ça va un peu atténuer la couleur. Par-dessus, je vais mettre un petit gloss de chez Art Deco. J'espère qu'il va bien aller. C'est la teinte numéro 16. C'est un rose un peu marronné. Je suis pas sûre que ça va bien. Est-ce qu'on aime? Oui, ça va, ça fait un peu nude. Au moins, ça fait pas une bouche non plus trop chargée, mais qui a quand même de la couleur dessus. Je pense que c'est pas mal. Touche finale, un peu de spray fixateur. Là, je vais utiliser le Hydro Grip de Milk Makeup. Faut bien secouer parce qu'il est un peu biphasé. En tout cas, voilà pour ce nouveau tuto make-up pour les fêtes. Si jamais vous osez et que vous voulez vraiment vous démarquer, à mon avis, c'est le genre de make-up qui ira surtout bien aussi pour le jour de l'an. Pourquoi pas? J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez aimé voir la création de ce make-up. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Vous pouvez également mettre en commentaire si vous êtes un peu timide. Des petites paillettes pour être bien dans le thème. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper la suite de mon contenu. Comme d'habitude, je sors en ce moment une vidéo par jour, tous les soirs à 18h, donc du 1er au 25 décembre. Merci à ceux qui me soutiendront et sur ce, moi je vais vous laisser tranquille. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Gros bisous! I don't